comme vous l'aurez pu le voir dans le titre. Une vidéo comment Paris doit jouer pour battre le Bayern de Munich. Alors, on va faire un petit récap. Déjà, Paris, là, on est dimanche. Paris vient de se faire battre face à Lille, donc ça commence très très mal. Donc alors, la composition pour Paris gagne face au Bayern, le match aller. Alors, pour moi, Raúl Navas, ça change pas. Défenseur central, les deux défenseurs central, Marquis, Kimpembe. Défenseur droit, Florenzi. Défenseur gauche, Kurzawa. Après, milieu de terrain, je sais pas si Verratti va être là. Si Verratti il est là, bah Verratti, Rafinha, Paredes et l'attaque. L'attaque, alors pour moi, comme Icardi est écarté du groupe, si je me trompe pas, vu les propos qu'il a fait sur sa femme. Donc voilà, donc si je me trompe pas, il est écarté du groupe. Si vous l'avez pas vu, bah allez voir sur son compte Instagram. Je sais pas ce qu'il a supprimé la photo, je suis pas sûre. Bref. Après, attaquant droit, Mbappé. Attaquant. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Pas Paredes, Neymar au milieu offensif. Après, Mbappé côté droit. Moïskine, Di Maria. Et il n'y a pas Lewandowski, donc ça c'est bien. Et pareil, il faut qu'il joue vraiment à fond. Il faut qu'il défend tous ensemble. Parce que là, face à Lille, pareil, les attaquants ne défendaient pas. Donc voilà. Donc j'espère que Paris vont gagner. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner. On est confiné, donc beaucoup plus de vidéos. Le planning va changer. Je vais faire une vidéo pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous dis à la prochaine.